la main. L'éternité, Jésus, tu m'as racheté. Jésus, tu m'as racheté. Et le jardin, la place est prête au ciel pour l'éternité. Jésus, tu m'as racheté. Jésus, tu m'as racheté. Et le jardin, la place est prête au ciel pour l'éternité. Chacun lui parle, Seigneur. Je suis venu dans ta présence. Commence à parler à Jésus maintenant. Seul lieu pourvu pour notre abri, abri contre le péché, contre la mort, contre la maladie, contre le diable et ses démons. Nous sommes ici pour nous rappeler qu'il n'y a de salut en aucun autre, qu'il n'y a aucun autre nom donné pour nous par lequel on doit être sauvé. Seigneur, bénis-nous ce matin. Visite-moi ce matin. Que le Saint-Esprit m'éclaire et me positionne dans sa parole. Ainsi, je me confie à toi. Au nom de Jésus, nous demandons cela. Amen. Amen. Vous asseoir, bien-aimés. Merci. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen. Amen. Alors maintenant, ce que je lis là, nous sommes en train de parler de la rédemption. La rédemption s'opère par le sang, par la puissance et par l'expérience. Vous allez vous rendre compte que lorsqu'Israël était en Égypte et que Dieu était prêt à le délivrer, Moïse avait ordonné qu'un agneau soit immolé et que son sang soit placé sur toutes les linteaux des portes. Cet agneau était le type de l'agneau de Dieu qui est Christ lui-même. Et son sang a été appliqué, n'est-ce pas, comme signe que, et que l'exterminateur n'allait pas frapper là où il y avait le sang. En continuant la lecture dans Exode toujours, vous allez voir que la deuxième partie fit leur traversée de la mer Rouge. Et que là, Dieu a déployé maintenant sa puissance. Et il a englouti l'armée des Égyptiens. Et c'est là où on nous dit que l'Éternel délivra. Vous voyez? Parce que là, celui second qui dit l'Éternel, d'ailleurs, il dit Yahweh délivre. Et la racine du mot
n'est-ce pas, racheté, c'est Yasha. Qui est rattaché au nom même de Yahweh. Yasha, quand même, c'est Yahweh. Pourquoi il est appelé Yehoshua ou Yasha. Josué, qui est le nom de Jésus que vous avez aujourd'hui. Maintenant, par la puissance de Dieu, Nzambe, Israël a vu l'armée égyptienne détruite là dans la mer. Israël a monné qui m'a pingé la bataille d'Égypte au bas des cadavres étaient sur les bords, sur les rivages, etc. Mon ami Bébé, là-bas on a les bons, on a maille. Et que la troisième chose, le quoi, c'est que dès qu'ils sont sortis de là, la première chose, ils ont rencontré de l'eau amère. Ah, ma Bébé, là-bas, la maille à Bololo. Et là, Moïse a dit à les enfants d'Israël, se sont plaints. Moi, Israël, bien, là, qui, là, qui. Dieu a dit à Moïse, prends un bâton. Jette-le dans l'eau là. Bois quand la maille à Bololo. Et quand il a mis le bâton dans l'eau, l'eau était devenue douce. Ce bois là représente la croix du Seigneur. Et cette eau qui était amère représente les circonstances de la vie que nous rencontrons. Et lorsque nous invoquons, nous appliquons l'expiation, l'œuvre de Christ du calvaire dans toutes les expériences et les situations que nous rencontrons, la vie nous devient douce. On peut prospérer, on parle de l'avant. C'est pourquoi la troisième chose, c'est l'expérience. La délivrance n'est pas une théorie. Ma le biko ya kolonde ngozo kaona ezali réaliser nzamba lingi ke o tester sera zo kosa to azo lo basolo. C'est une réalité dans votre vie. La li solo zobika na bomo na yo. Maintenant, dès tolobi le siko, ce qui est la rédemption, s'opère par le sang. To sa banda makila. Et pour avoir le sang, il faut un sacrifice. Pour être makila zo mesili mbeke za. C'est le sacrifice qui donne le sang. Bekande pesa makila. Et maintenant, ensuite, vous avez la puissance de Dieu. Et dans le Nouveau Testament, Paul nous a dit que l'Évangile est la puissance de Dieu pour quiconque croit. C'est pourquoi vous avez là, dans le Nouveau Testament, je dis ceci, la rédemption, vous pouvez lire avec moi, la rédemption. La rédemption s'opère en vertu de l'efficacité du sacrifice de Christ, et de la puissance de Dieu. Ensuite, on dit, Christ en a payé le prix. Le Saint-Esprit fait de la délivrance une expérience réelle. C'est le Saint-Esprit qui rend réel. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour expérimenter le biquo, le biwono. Amen. Voyez, et c'est je veux plus insister sur l'expérience du Saint-Esprit. Nakati, il y a rédemption. Et moi, on a intitulé le théoana que la rédemption par l'expérience. Amen. Amen. C'est pourquoi j'ai pris cette, n'est-ce pas? J'ai pris ce titre-là. La rédemption par l'expérience. L'heure pour découvrir que le salut dont Dieu parle, la rédemption dont Dieu parle, il ne s'agit pas des imaginations. La rédemption, c'est la délivrance par le paiement d'un prix. Et si nous sommes délivrés, nous pouvons vivre et expérimenter ça. La délivrance des enfants d'Israël n'était pas une doctrine, c'était une réalité. Amen. Et le même Dieu, maintenant, dans le Nouveau Testament, la réalité maintenant de cela. Et Dieu donne le Saint-Esprit pour que tu puisses vivre, expérimenter cette délivrance, cette rédemption. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Ainsi, oui. Comme je disais,
La rédemption s'opère, n'est-ce pas, par le sacrifice de Christ, n'est-ce pas? C'est un sacrifice. Pourquoi on dit l'efficacité? C'est parce que le sang de bouc et de taureau ne pouvait pas ôter le péché. Tandis que le sang de Christ ôte le péché. Jean-Baptiste a présenté Jésus à lui. Voici l'agneau de Dieu qui fait quoi? Qui ôte le péché. Qui ôte le péché. C'est pourquoi je dis l'efficacité du sang de Christ. Parce une fois cette offrande, le sacrifice de Christ offert, c'est fini. On ne donne plus aujourd'hui des sacrifices. Pourquoi? Parce que il était le sacrifice parfait. Amen. Et la croix est une puissance. Colossiens chapitre 2, n'est-ce pas? Verset 15 ou 14. On dit là-bas que il a dépouillé les principautés. Il les a dépouillés. Donc la croix est une puissance. Quelqu'un dit amen à cela? Amen. Et nous voyons donc que le Saint-Esprit, Christ en a payé le prix. Il a payé la rançon. La rançon, c'est un montant, n'est-ce pas? Un prix payé pour libérer un esclave. C'est ce qu'on appelle la rançon. Et Christ a payé la rançon pour que toi et moi, nous ne soyons plus jamais esclaves de Satan, esclaves de son royaume. Christ a payé le prix. C'est pourquoi le salut est gratuit. Tu n'as pas à payer pour cela, Christ a payé pour nous. Amen. Donc le Saint-Esprit fait maintenant de la délivrance une réalité. La délivrance, une expérience réelle dans notre vie. Et Dieu veut que, au vivre expérience, au moins vraiment que Azo constate que vous a délivré. Amen. Et pour arriver à cela, Dieu donne le Saint-Esprit qui vient te mettre en possession de l'héritage que Dieu t'a promis. Cet héritage est le salut. Donc, même que tant qu'Abimisi Bana Israël a tiki bango bongote, tout monique Abimisi Bango a délivré bango nakati, a bomi ba ennemi na bango, mais après a memi Israël ti namboka na kana na isika bongi ce qui était bakofanda wana. Omoni ndenge moko balobi na biso ke Josué yende a tiaki bango en possession de leur héritage. La même chose pour nous. Christ, n'est-ce pas, par son sang, il a expié nos péchés. Par sa puissance, Dieu nous a délivrés. Maintenant, par le Saint-Esprit, Jésus le béni. A le dit que quand le Saint-Esprit, le Consolateur, va venir, il vous conduira. Dans toute la vérité, la vérité devient comme un territoire que nous ne connaissons pas. Il a dit, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Et il dit que le Saint-Esprit va venir, il va nous prendre, il va nous conduire dans toute la vérité. Amen. Et quand on vous introduit dans la vérité vous affranchit. Ainsi, nous comprenons que le Saint-Esprit s'est déjà typifié. Au moment où Josué, il y a un dame qui a été à côté de l'héritage. La même chose. Le Saint-Esprit, quand il vient en toi, toute la vérité veut dire toute la volonté révélée de Dieu à propos de notre salut. Amen. À propos de notre délivrance, de notre guérison, de notre élévation, de notre changement. Donc le Saint-Esprit va nous amener dans tout ce que Dieu a promis pour nous. Amen. Quelqu'un dit amen à cela. Amen. C'est ça, c'est ce que je veux prêcher ce matin ici. Amen. C'est pourquoi nous parlons de la rédemption par l'expérience. Et le Saint-Esprit vient dans notre vie pour ça. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Regardez maintenant le verset là. Relisez avec moi. Il n'y a donc maintenant oui, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Voyez, on précise bien. C'est pour ceux qui sont où ça? Ils sont en Jésus-Christ. Pas ceux qui sont dans notre assemblée, dans notre église, dans notre message. Non, non. On dit ceux qui sont en Christ. Mais comment on entre en Christ? 1 Corinthiens chapitre 12, c'est ça? Oui. Verset 13. Nous avons donc, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps.
Tu ne peux pas jouir de quelque chose que tu ne connais pas. Dis avec moi. Avec Christ, la tête. Oui. Les croyants baptisés du Saint-Esprit forment un seul corps. L'Église, corps mystique de Christ, Église Saint-Esprit. Tu le bel acquis en mode, hein? Oui. Chrétien ou Azana Saint-Esprit, hein? Il n'appartient pas aux assemblées. Il n'appartient pas à des doctrines. Il est né de nouveau. Il appartient au corps de Christ. Le corps de Christ. Et le corps de Christ, c'est l'Église Saint-Esprit. Cette Église-là, c'est celle qui partira dans l'enlèvement. Alors, une fois que tu as reçu le Saint-Esprit, tu es le corps de Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La loi de vie en Jésus vous a affranchi de la loi du péché et de la mort. Tu possèdes ce que Dieu a dit que tu possèdes. Tu es ce que Dieu a dit que tu es. C'est ça la foi. Amen. En Christ. Vous avez cette expression, les gens dans la Bible, en Christ, vous avez été élu. En Christ, en lui. Amen. Toujours en. C'est, vous êtes en lui par l'Esprit. C'est le Saint-Esprit qui crée cela en vous. Dans Romains chapitre 6, il nous est dit, nous avons donc, disons ensemble, on y va. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. Botala bien, balo bien. Vous voyez bien que j'ai souligné le mot baptême. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le Jésus. Baptême, moi, ce n'est pas le baptême d'eau. Ce n'est pas le baptême de baptême en maïté. C'est le baptême du Saint-Esprit. Tant que vous êtes Saint-Esprit, alors, Eliyi Kolobake, vous allez identifier dans Christ. Tu as été enseveli avec lui, tu es mort avec lui, enseveli avec lui, et tu es ressuscité avec lui. Quand tu as reçu le Saint-Esprit, cette opération est déjà faite en toi. C'est une possession pour toi, tu l'as déjà. Amen. Tu as hérité cela. Amen. Tu es identifié. Parce que dans l'Ancien Testament, l'adorateur doit amener, n'est-ce pas, son sacrifice pour Nakobondela. Et il mettait les mains. Et le sang qui sortait du sacrifice salissait les mains. Le sang servait de signe pour montrer que cet homme devait mourir. Mais il y a un substitut qui a pris sa place. Ok? Donc, le signe, c'était le sang. Mais dans le Nouveau Testament, quand vous allez adorer, Jean-Baptiste Salobi, voici l'agneau de Dieu. Christ devient votre sacrifice, votre agneau. Vous allez à Dieu au nom de Christ. Vous le comprenez? Amen. Alors, vous êtes identifié dans votre vie par ce que votre sacrifice. Et quel est le signe que toi tu es identifié avec Christ? Le Saint-Esprit qui est venu sur toi est le signe d'identification que toi tu es un chrétien ou une chrétienne. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Ah, ce n'est pas le fait d'appartenir à un groupe, d'appartenir à une doctrine, non. Le fait que le Saint-Esprit est venu sur toi pour t'identifier avec Christ. La vie de Jésus est en toi. Donc, tu es participant de tout ce qu'il est. Voyez encore si on peut marcher des choses d'autres. Ouais. Réalise avec moi. On y va. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Est-ce que tu crois ça? Amen. Combien croient ça? Lève la main. Amen. Ok, merci. Amen. Donc, quand la Bible dit comme ça, Yebisangai, qui peut t'accuser? Le ciel, c'est le niveau suprême. Et déclarer que pour ceux qui sont en Jésus, il n'y a plus de condamnation. Il n'y en a plus, il n'y en aura pas, donc il n'y a pas. Le ciel et la terre passeront, la parole ne passera pas. Amen. Il n'y en a pas. Amen. Maintenant, Dieu veut que vous croyez comme ça, que vous lui faites confiance dans ce qu'il a dit là, et que tu proclames ça. C'est ça qu'on appelle la foi. Amen. Deuxième verset, en effet, on y va.
En effet, la loi de l'Esprit de vie, en Jésus-Christ, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Affranchir, c'est libérer. Au Kangola Moto, au commissaire Somi. On dit maintenant que la loi de l'Esprit de vie, c'est-à-dire que le Saint-Esprit a un principe. Il entre en toi. Il t'a franchi de la loi du péché et de la mort. Ça veut dire que la mort ne peut plus te dominer. Le péché ne peut plus te dominer. C'est Dieu lui-même. La loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi. Donc, quand tu as reçu le Saint-Esprit, tu y es affranchi. Le péché ne peut plus dominer sur toi. La mort ne peut plus dominer sur toi. Tu y es affranchi. Que les gens soient d'accord ou pas, que Satan l'accepte ou ne l'accepte pas, je suis affranchi. Dieu veut que vous croyez comme ça. Sans ceci, c'est-à-dire sans croire ce qu'il a dit, il est impossible de lui être agréable. Vous devez croire comme il vous a dit. Tu as confiance dans Misala Nayo. Hein? Lisez avec moi. Tite, chapitre 3, verset 5. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous. À cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Jamais. Continue. Mais selon sa miséricorde, oui, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Ok. La nouvelle naissance, par le baptême de la régénération, c'est-à-dire la nouvelle naissance et le baptême du Saint-Esprit. Nous sommes sauvés, Ndengon. On n'est pas sauvé par une doctrine, jamais. Ou par les bonnes œuvres que nous avons faites. Non. Personne ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi. Merci. Pas par les œuvres de la loi. Christ nous a rachetés. Alors que nous étions mauvais. Dans notre état que nous étions, il nous a rachetés. Gloire au Seigneur. Amen. Maintenant, la loi de l'Esprit de vie m'a affranchi. Quand le Saint-Esprit, tant que le Saint-Esprit est kakakatinayo, osa déjà affranchi. Rien ne te lie encore. Tu n'es plus dans les liens de famille. Hein? Ce n'est pas que les liens de famille n'existent pas, ça existe, il y en a. Mais pour na oyandimeli Christo, asa na kat na Christo, les liens là ne sont plus sur lui. Parce que les liens là, Jésus les a coupés. Il t'a affranchi. Est-ce que vous comprenez? Amen. Oh voilà, famille Nabiso, il y a beaucoup de malédictions, il y a de ceci, il y a de cela. Cela est vrai. Ce qui est dans le bandimeli koloté baza bongo. Mais tant que vous dites que le Saint-Esprit est 4 na yo, Bible le dit que la loi de l'Esprit de vie a fait quoi? M'a affranchi. Et c'est ce que amen. Osa affranchi. Tu es libéré de cela. Amen. Je prends le même passage, mais tu as dans la version Semeur. Yoka, version Semeur n'est pas là. Nous lisons maintenant donc, on y va. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation, oui, pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Qui sont comment? Unis. Unis à Jésus-Christ. À Sanganina Jésus-Christ. Ok. Venez avec moi 1 Corinthiens chapitre 6. Quelqu'un va lire pour moi le verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur. Doucement. Celui qui fait quoi? Qui s'attache. Qui s'attache à qui? Au Seigneur. Au Seigneur. Continue. Et avec lui un seul esprit. Et avec lui un seul esprit. Donc yona kolo bokomi moko. Moko. Esprit moko. Bible dit que yona kolo bokomi nini. Esprit moko. Esprit moko. Quand Dieu nous sommes unis à Christ, c'est sans autorité. Esprit nabiso. Na esprit ya kolo. Et oulani. Et komi moko. Regardez le verset. Lisez maintenant donc. Maintenant donc.
Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Qui sont unis à Jésus-Christ. Yona Jésus bokomi moko. C'est la même chose que ceux qui sont en Christ. Dans autre temps, ma basse nous pour comprendre que Yona Jésus, ce que vous êtes Saint-Esprit, Yona Jésus bokomi moko. Et puis, le kola bokomi moko, il n'y a plus de condamnation contre toi. Et la loi de l'esprit de vie est kangolio na loi ya péché pe ya loi. Est-ce que vous le croyez? Amen. Maintenant, Bible les oye bisa yo bongo undi ma bongo. Zamba lingi ke undi ma bongo otato lango bika olando ya zolobawana. Gloire au Seigneur. Amen. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que ça va? Amen. Na zoloba boye. Tango yo kaba zoloba foi. Foi eza makambo zo mikanisela te. Foi elingi koloba makambo nzamba monisi yo ke yo ozali po na ye. C'est que tant que vous avez dit que vous avez foi. Est-ce que ça va? Amen. Ok. Donc, maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu continues. On dit maintenant, si nous sommes unis à lui, okay? Nous n'avons donc à redouter aucune sentence contraire. Nous n'avons rien à redouter. Nous sommes unis à lui. Vous dites que ça n'a rien à dire. Pour condamner Bissot, ils ont le colosso condamné Jésus, parce que Bissot n'a rien de commis manco. Amen. Qu'on a commis ça. Amen. Cet esprit nous donne la vie qui était dans le Christ Jésus et nous introduit dans la communion avec lui. Oui, ok. Hein? Cet esprit fait quoi? Nous donne la vie. Qui était dans le Christ Jésus. Ok. Vini n'est-ce pas Katinayo? Vie à Jésus-Christ. Amen. Tout ça, wana? Amen. Vie à Jésus-Christ. Pour nani? Parce que beaucoup minaye moko. Esprit nayo, na esprit nayo, et oulani. Vous êtes unis. Vous êtes dans l'union. Vous êtes dans l'unité. Vous êtes en Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Amen. N'est-ce pas? La loi de l'esprit de vie t'a franchi de la loi du péché et de la mort. Tu es affranchi. Tu es affranchi de la mort, tu es affranchi du péché. Le péché ne peut plus dominer sur toi. Tu es libre. Non, qui était? Amen. Maintenant, quand vous avez le Saint-Esprit, vous êtes déjà comme ça. Le Saint-Esprit vous met en possession de ce que la parole dit que vous êtes. Et vous êtes ce que la Bible dit que vous êtes. Et vous pouvez faire ce que la Bible dit que vous pouvez faire. Amen. Ok? Cette puissance vivifiante de l'esprit me soulève hors du cercle vicieux du péché et de la mort. Uh-huh. Cet ordre nouveau me permet d'échapper au régime du mal qui me menait à la ruine. Relis ça doucement et bien et comprends. Cette puissance, ok? Cette puissance vivifiante de l'esprit me soulève hors du cercle vicieux du péché et de la mort. Puissance wana ezakati non. Ezo sanine. Ezo tombola yo likolo. C'est-à-dire ce qui se passe dans le monde là est alioté. Ozata kunate. Ça veut dire que oza musika ekotouché au pété. Cette puissance là c'est la puissance de vie ezakati. Ezo vivifié yo. Moyo kufa ezate. So lingo kufa yango epeso so bomoi. Amen. Donc ça y est en toi. Et ça te soulève au-dessus du cercle vicieux du péché. Osa likolo dans yango. N'est-ce que vous comprenez? Amen. Esprit yanzambo ezakat na yo et memiyo na position wana. Et ya kananzela ya prière te. Ya kananzela ya bajen de prière te. C'est la croix qui a produit ça. Amen. Vous le comprenez? C'est la croix qui a produit ça. Donc, maintenant, et cet ordre nouveau. N'est-ce pas? Cet ordre nouveau. L'ordre nouveau est un régime et un Saint-Esprit. Au côté d'un régime et un Saint-Esprit. Au temps où c'est mis un Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en toi. Il y a un des autres contrôlés, il y a un autre temps où ça y est. Quand vous avez reçu le Saint-Esprit, le Saint-Esprit vous dirige. Le Saint-Esprit vous contrôle. Le Saint-Esprit est celui qui vous libère. Le Saint-Esprit vous met en possession de ce que Dieu avait dit qu'il va vous donner.
il vous a donné le salut, il vous a donné toutes choses avec lui. Amen. C'est déjà fait. Ce n'est pas lorsque je vais mourir, ce n'est pas lorsque je vais faire des prières de 40 jours. Non. Dès le moment où j'ai reçu le Saint-Esprit en moi, je suis déjà complètement uni à Christ. Je suis affranchi, je suis délivré, je suis béni, je suis guéri. Quelqu'un dit amen? Amen. Sais-tu, Dieu dit, si tu le crois, il va te le démontrer. Vous devez vivre, c'est une expérience. Vous allez vivre ça dans votre vie. Et vous allez glorifier Dieu que Dieu a raison. Amen. Amen. Tu es participant de tout ce qu'il est. Voyons encore si on peut marcher des choses d'autres. Ouais. En effet, si nous sommes devenus une même plante, on y va? En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort. Vous voyez? Nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Vous voyez? Donc, demain, nous sommes rendus conformes à lui dans sa mort, dans son enseignement, dans sa... Et dans sa résurrection, c'est la même chose. Nous sommes aussi rendus conformes. Et nous ressuscitons, nous sommes restés. Donc, selon la Bible, le chrétien est déjà mort en Christ et il est déjà aussi ressuscité. Est-ce que vous le comprenez? Est-ce que vous le comprenez? Amen. Le chrétien est mort en Christ. N'est-ce pas? Regarde, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Réponds avec moi, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. On ne vous demande pas de le crucifier. On vous informe que votre vieil homme a été déjà crucifié avec Christ. Le vieil homme veut dire Motoya kalo nazalaki asiliko bakama na Christ nekulus. Ma vieille nature, ma nature pécheresse a été crucifiée à la croix. Dieu veut que tu croies comme ça. Dans ma lingue, on dit melabongo. Hein? Dieu veut que tu croies comme ça. C'est ça la foi. Et quand le serpent te pique, tu regardes seulement comme ça, tu es délivré. De même que Moïse a élevé le serpent de rein dans le désert. Oui. De même le Fils de l'homme doit être élevé. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Une fois que vous croyez, vous avez la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est le Saint-Esprit qui est venu en toi. Là. Amen. Votre vieil homme a été crucifié. Votre vieille nature et a déjà crucifié. C'est mort. Zamba le bique dit même que c'est koufi. Nyoka wana sa koufi. Il est déjà jugé. Hein? Il est déjà jugé. Vous le croyez? Dieu veut que vous le croyez comme ça. Zamba lingo ni melango bongo. Quand vous croyez comme cela, alors vous avez la foi. Ça va disparaître en toi. Gloire au Seigneur. Amen. Nous lisons par le baptême, ok? Par le baptême. Oui. Nous avons donc été ensevelis avec lui, afin de partager sa mort. Ok? Vous voyez? Tout ce que nous étions autrefois, oui, est à présent mort et enterré. Et pourquoi cela? Amen. Amen. Lobananga onyo suna zalaki kala. Onyo suna zalaki kala. Esili kokundama. Esili kokundama. Naye. Naye. Amen. Amen. Tout ce que tu as fait, et on ne demande pas de le faire, c'est déjà fait. Basengo salamo te esili kosalema. Lorsque tu as reçu le Saint-Esprit t'a déjà mis en possession de ce privilège. Angozi moli musanto asa ko tuna kati na bozui ali tomba oyo boy. C'est fait. Et c'est salami. C'est un acquis. Amen. Amen. Tout ce que nous étions autrefois. Nous sommes peu importe ce que le monde dit.
combien les gens vont te condamner, tous les noms qu'ils vont t'afficher, ça ne change rien à ce que dit la parole. Ce que tu as été est déjà enterré. Amen. Amen. Vous voyez, vous savez que le Christ a été ressuscité d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père. Nous aussi, nous avons reçu une nouvelle vie et nous sommes appelés à mener notre existence sur un plan nouveau. C'est-à-dire, nous avons reçu une nouvelle vie. On vous dit ça, vous avez reçu une nouvelle vie. Cette nouvelle vie-là, c'est ça le Saint-Esprit qui est venu en vous. Maintenant, vous êtes appelés à vivre votre nouvelle vie. Il y a une nouvelle vie en Christ. Vivez maintenant selon cette vie-là maintenant que Dieu vous a donnée. Oh, gloire à Dieu. Amen. Car nous sommes devenus un seul et même être avec lui. Ah, vous êtes devenus. Donc c'est déjà fait. C'est-à-dire que dès que tu reçois le Saint-Esprit, c'est fini. Tu es un seul et même être avec Christ. C'est fait. Tu es établi. Quelqu'un dit amen. Amen. Tu es ce que la parole dit que tu es. Tu peux faire ce que la Bible dit que tu peux faire. Peu importe ce que dit le diable. Tu es une fille de Dieu. Tu es un fils de Dieu. Quel que soit ce que le monde peut dire, tu sais qui tu es. Jésus savait qui il était. Quelle que soit l'opposition, quel que soit le contraire qui arrive, rien n'a changé à ce que Jésus était. Et la parole, c'est ça la foi. Dieu veut que tu croies ça. Que tu te tiennes là. Peu importe ce que dit le monde. Béni soit le Seigneur. Amen. Quand quelqu'un vient te dire, tu sais, j'ai vu le diable, il a fait ceci. Dis-lui que le diable est venu en retard. Parce que depuis avant la fondation du monde, tu as été placé en Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Satan vient en retard. Béni soit le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. C'est pourquoi je suis en train de dire ceci. Tu ne peux pas avoir la foi parfaite tant que tu ne sais pas ce que tu es côté Christ. Quand tu connais ta position, tu peux maintenant ancrer une grande foi. Quand tu n'as pas, tu ne connais pas qui tu es, tu ne peux pas ancrer la foi. On demande à Jean-Baptiste, toi qui es-tu? Il dit, je suis la voix. Il connaît sa position. On demande à Jésus, qui es-tu? On dit, es-tu le fils de Dieu? Tu dis, je suis le fils de Dieu. Donc, il croit dans ce qu'il est. Votre foi dans ce que vous êtes vous donne la percée vers votre destinée. Mais non, on ne savait pas qui il était. Nous étions dans le poulailler là. Et dans la tête de l'aiglo. Et nous croyait qu'il était une poule. Et quand la révélation est venue, quand sa mère a dit que tu n'es pas une poule, mais que tu es là, tu as les mêmes matériaux que moi, tu peux t'envoler comme je l'envoie. Cela se trouve en toi. Cette connaissance a transformé la façon de vivre de l'aiglo. L'aiglo a compris qui il est. Jésus est en train de dire, tu n'es pas une simple personne. Tu es une fille de Dieu. Tu es un fils de Dieu. Là où tu es, tu dois sortir de toute servitude. Tu dois sortir de tout esclavage. Tu dois prier avec la parole. Tu dois prier. Tu dois aller de l'avant. Tu ne peux plus rester tel que tu es. Le diable avait longtemps joué. Mais maintenant, il va trouver quelqu'un. Tous les jours ne sont pas les mêmes.
Goliath est venu le premier jour, le deuxième, le troisième. Il croyait que c'était la même chose. Mais un jour il est venu, il a trouvé un David. Je suis en train de prêcher parce que quand Satan viendra, il va trouver que tu n'es plus une simple personne, mais que tu es un David. Tu dois écrouler Goliath. Je suis en train de te donner l'énergie qu'il te faut pour voir qui tu es. Et tu vas ancrer la foi. Tu vas défier le diable. Jésus a dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Et Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. C'est la vérité. C'est la vérité. Je crois cela. Amen. Je crois dans mon autorité. Amen. Je crois dans ce que je suis. Amen. Ce que Dieu a dit. Amen. Je suis ce que Dieu a dit. Amen. Tu es né pour briller. Tu es né pour exceller dans ta vie. Avec la parole. Rien ne doit t'arrêter. Aucun sorcier, aucun démon, ils sont sous tes pieds. La Bible dit qu'il a dépouillé les principautés. Il les a dépouillés. Il a dit que voici, je vous ai donné le pouvoir. Béni soit le Seigneur. L'église de Jésus-Christ ne doit pas trembler devant les maladies, devant les problèmes. C'est l'église qui doit défier. L'église est tranquille. Béni soit le Seigneur. En vous, il y a la puissance pour créer une terre. Mais il faut la foi. Mais maintenant, je suis en train de vous entraîner à reconnaître qui vous êtes. Et quand vous savez qui vous êtes, alors vous allez ancrer une grande foi. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Quand tu sais que tu es un fils de Dieu, quelle est la caractéristique d'un fils de Dieu? Il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine, qu'il règne, qu'il contrôle. Tu es né pour régner, pour contrôler les situations. Rien ne doit arriver dans ta vie sans que tu contrôles. Tu es né pour ça. Tu es un Dieu tel que tu es là. Il doit te dominer. Ton père, quand il t'a créé, il t'a mis au-dessus de toute la création. Il n'y a que Dieu qui est au-dessus de toi. Béni soit le nom de Jésus. Amen. Et Jésus a dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Ça veut dire, toi et Jésus, vous avez le même trône. Et celui qui vaincra, vous avez vaincu par le sang de Jésus. Vous avez vécu par le sang de Christ. Vous êtes assis avec lui. Béni soit le Seigneur. Je suis en train de voir tout ce qui a entravé ta vie est en train de tomber. Amen. Je suis en train de voir une nouvelle saison dans ta maison. Amen. Quelque chose doit se passer. Amen. Tu vas prendre possession de ce qui t'appartient. Amen. Ce qui est à toi est à toi. Amen. Dites avec moi, ce que Dieu a dit, ce que Dieu a dit, que c'est à moi, que c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. Amen. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Tu es là pour recevoir. Je suis là. Je suis là pour recevoir la bénédiction, pour recevoir la de, la parole. De la parole. J'ai été prédestiné à entendre ces choses et à provoquer, un changement, dans ma vie, et avoir des percées, dans les cieux naturels, dans le au nom de Jésus, au nom de Jésus, que toute puissance des ténèbres qui entravait ma marche tombe. Au nom de Jésus, tombe. Au nom de Jésus, je défie tout esprit des ténèbres qui a entravé ma vie. Au nom de Jésus, sors de ma vie. Au nom de Jésus, je vais percer. Je vais aller de l'avant. Je vais réussir. Commence à déclarer. Déclare. Je vais réussir. Je vais aller de l'avant. Dieu m'a béni. Continue à déclarer cela avec la parole. Prononce la parole.
déclare les choses que tu veux qu'il arrive dans ta vie. Et ça va arriver. Déclare-les avec force. Dis, je crois que je suis une fille de Dieu. Je suis un fils de Dieu. Je crois cela. Je crois ce que la parole de Dieu dit. Tiens-toi là et proclame. Tu es libre. Tu es affranchi. Tu es béni. Continue à déclarer cela.